hein, je filme mal, mais... Il y a quelqu'un ? Vous pouvez l'arrêter ? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez couper le térémine? Est-ce que c'était vous ? Vous pouvez faire un bruit pour me dire que c'était vous ? S'il vous plaît ? Bon, j'ai pas encore commencé mon expérience, j'allais... tout juste commencer et allumer mes appareils. Vous me laissez juste le temps de démarrer, s'il vous plaît. Je sais pas ce qui se passe. Il faut que je prenne une caméra avec moi pour filmer mon installation parce qu'il y a eu plein de trucs bizarres. C'est la troisième nuit que je viens ici et honnêtement, je suis pas du tout. Je suis pas du tout rassuré. Je suis pas à l'aise. Je me sens pas bien. Bon, je vais prendre ma caméra tout de suite et je vais commencer avant que ça commence sérieusement. Là, on a un truc très intéressant pour un début de tournage, en fait. Le truc, c'est que moi, j'arrive, je m'installe, je mets quand même un certain temps à m'installer. Voilà, je reste plusieurs heures pour m'installer. Il se passe des trucs, il y a des bruits, enfin... On va dire le classique dans un bâtiment et surtout le classique dans celui-là. Et là, d'un coup, le térémine se déclenche. J'ai rien de préparé, j'ai juste posé les caméras par-ci, par-là, mais j'ai rien lancé. Là, je me retrouve un petit peu dans une situation compliquée, dans le sens où j'ai rien pour filmer, donc je suis obligé de sortir mon téléphone, d'y aller avec la qualité vidéo et la qualité audio que le téléphone peut proposer en pleine nuit. Mais finalement, tout ça, c'est pas si grave dans le sens où je connais le bâtiment, je sais ce qu'il m'a déjà proposé, je sais ce qui s'est déjà passé, et surtout, je sais que ça s'est déjà mal passé. Et là, à peine j'arrive... De suite, le térémine. Bon, on peut commencer à interpréter tout et tout de suite, ou on peut juste essayer de se mettre dans le bain et se dire bon, ben voilà, c'est un bon début de tournage.
Mais ça, pour moi, ça reste quand même très inquiétant parce que je suis là que depuis quelques heures. Je vais commencer quoi. J'allais pas tarder à commencer. Et le térémine se déclenche et surtout, ça c'est rare, l'entendre monter comme ça, rester bloqué sur une note assez haute et d'un coup s'arrêter. Honnêtement, ça me rassure pas du tout pour la suite du tournage. Allez. Salut les amis. Salut à tous. Alors, comme vous avez dû sûrement le voir, je vous ai mis une petite séquence qui était hors tournage. Alors, je vais aller là-bas rapidement. Ça, c'est mon setpod. J'ai le térémine en fait qui s'est déclenché tout seul. J'étais en train de me préparer, j'étais en train de commencer. Et j'ai je tremble, je flippe, c'est un truc de fou. J'étais en train de me préparer, j'allais juste commencer. J'étais en train de mettre mon sac. Et d'un coup, il s'est déclenché. Je sais pas pourquoi. Ça a duré, ça s'est resté sur une. Grosso modo, une même note, on va dire. Et après, il s'est coupé. Tout seul. Et je sais pas du tout à quoi c'est dû. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour moi. Autant la première nuit ça a été horrible, difficile pour moi. La deuxième ça s'est beaucoup mieux passé, même s'il y a eu beaucoup de choses. Et que mon état de stress n'a pas forcément. Il n'a pas forcément baissé aujourd'hui. Mon état de stress il est toujours le même ici, dans ce bâtiment. Mais je vais essayer de mener ça bien parce qu'il va falloir de toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer tout de suite toutes les caméras. Alors, je vous avais dit la dernière fois que je mettrais des caméras en bas pour la fois suivante. Mais tout s'est passé ici. Et en bas, il n'y a rien eu. Il n'y a absolument rien eu. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour moi à mettre des caméras en bas. Je peux y aller, je peux m'y déplacer. Je préfère vraiment capturer tout ce qui peut se passer ici. Parce que pour moi, c'est ici que ça se passe. Ça serait idiot. J'ai cru entendre une voix. Non, c'était peut-être un animal au loin. Ça serait idiot pour moi de ne pas capturer ce qu'il y a ici. Parce que vraisemblablement ça se passe ici. Donc je vais tester des choses ce soir. J'ai amené deux toquilles. On va faire une petite expérience. J'ai la voix qui tremble, c'est horrible. C'est horrible. Je contrôle plus en fait, j'ai l'impression. Je contrôle plus mon état de stress depuis quelques temps. Avec les toquilles, je vais en mettre un au bout là-bas. Enfin proche de la caméra. Et moi je vais aller de l'autre côté et je vais parler dans le toki, je vais essayer de communiquer en fait avec le toki pour voir si on peut enregistrer des réponses comme ça. Enfin, on va voir, c'est une petite expérience, je vais essayer. Alors ici, une caméra qui va bloquer ce couloir là. Je vais tout activer. On n'est pas à l'aise comme ça, c'est pas évident de se mettre dans le bain et de faire les choses correctement. On a le multitask qui calcule une température de 9,7 degrés et j'ai mis un déclenchement à 3 degrés. Donc maintenant vous savez comment ça fonctionne. À côté, on a un vibrapode, détecteur de vibration et le térémine. Et là,
une caméra que je vais activer tout de suite. Donc là, voilà pour cette caméra, elle va bloquer ce couloir là central. Je vais activer la caméra que j'ai mis là-bas. J'ai inversé le sens comparé à la dernière fois. La dernière fois, la caméra était là-bas au fond. Maintenant, je l'ai mis de ce côté-là pour bloquer, on va dire, dans l'autre sens. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, on va essayer. Donc, on a le pod qui nous ajoute la musique la dernière fois. La Ghost Leaf et un vibrapod. J'ai l'impression d'entendre des trucs, c'est horrible. C'est parti. Alors là, voilà pour cette caméra qui bloque donc ce couloir. On va voir, j'espère que j'aurai autant de résultats que la dernière fois ou que le pod va remettre ça. Ça pourra confirmer un petit peu ce qui s'est passé l'autre soir. On va voir. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire comme l'autre fois, avec le pod qui s'est déclenché à de multiples reprises. Si c'était vous, n'hésitez pas à l'utiliser ce soir. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser aussi tous les appareils que j'ai disposés un petit peu partout pour communiquer avec moi. Alors, là ici, comme vous voyez au sol, il y a RunPod et le système EDI et cette caméra qui va bloquer le couloir dans ce sens, parce que la dernière fois, je regrettais un petit peu de ne pas avoir une caméra qui couvrait là. Donc ce soir, je l'ai mise là, on va voir ce que ça peut donner. Voilà pour cette caméra qui est lancée. Le but de l'avoir mise ici plutôt que dans les escaliers comme la dernière fois, c'est plutôt d'avoir un ensemble visuellement sur toute la zone. Parce que là, clairement, il n'y a aucune zone de l'étage que je n'ai pas, mis à part les chambres, ça je peux pas. Mais au moins, tous les couloirs sont capturés. Et donc, pour finir, ici, la caméra, où elle est? Elle est là, putain, je vois rien. Avec la Ghost Leaf, l'anémomètre, un détecteur de vibration ici, et la boule plasma. Du coup, je vais vous expliquer plutôt maintenant, parce que le temps de m'installer, c'était galère. La boule plasma, c'est joli. Sur la vidéo, ça rend bien, mais c'est pas le but. Le but, c'est plutôt de créer une source d'énergie. Je l'ai expliqué la dernière fois, la boule plasma, en fait, elle émet un champ. Alors, je crois que c'est de l'électromagnétisme, à vérifier. Mais en tout cas, elle émet un champ. On peut pas mettre un pod à côté, par exemple. Qu'est-ce que c'est que je viens de voir ? Ah, un papillon, putain. On peut pas mettre un pod à côté parce que ça le déclenche. En revanche, ça crée quand même une source d'énergie qui, je pense, peut-être, je dis bien, être utilisée. Regardez, par exemple, là, il y a le papillon qui s'est posé dessus. Ça ne l'a pas déclenché, enfin, ça n'a pas créé un faisceau de contact, on va dire. Je ressens une espèce d'oppression en fait au niveau de la poitrine. C'est le stress. Hein. Je suis clairement stressé, je le cache pas. Mais le lieu ne m'aide pas en ce sens. Donc du coup, comme on dit que soi-disant les entités auraient besoin d'énergie,
là, avec la boule à placement, on en crée un petit peu. Donc pourquoi pas aider en ce sens avec ça. Ça peut peut-être favoriser un contact et peut-être qu'un jour on verra, tu sais, directement la main se poser dessus ou un doigt. Ou, tu sais, quand tu mets ta main dessus, d'ailleurs je vais te montrer. Je vais essayer de filmer comme ça. Voilà, tu vois. Si tu vois un truc comme ça, et qu'il n'y a rien autour, moi je pense qu'on peut commencer à se poser des questions au niveau de l'énergie et du contact physique possible, clairement. Surtout que là, désolé, je fais des petites coupures, mais j'entends des trucs. Ouais. Surtout que là, si jamais tu vois le faisceau comme ça se créer, il y a du visuel. On a un truc, visuellement. Et je trouve que ça serait très important. Ça serait très important. Donc, allez, on est parti. Alors, je vais essayer de progresser doucement parce que j'y vois rien du tout. La caméra est assez lourde. Alors, je jette un coup d'œil au niveau du parc. Parce que quand j'entends quelques bruits, on vérifie si ça ne met pas le doigt. Alors, on va commencer, on va aller se mettre au centre. Là, je passe à côté de la ghost lift, ça va me faire bouger. C'est normal. Alors, ici, on a ce son qui ressemble. Alors, ça ressemble à une voix. Je dis pas que c'est une voix, mais on dirait une voix féminine, un petit peu, alors pas robotisée, mais ça paraît pas très naturel en fait. Pourquoi ça me fait penser à une voix, c'est justement à cause de ce son. Alors, j'ai l'impression d'entendre deux syllabes. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y en a trois, mais elle est difficilement audible, la troisième pour moi. Donc, je pars plutôt sur l'idée qu'il y en a deux. Mais honnêtement, je sais pas du tout si c'est une voix, parce que ça pourrait être tellement de choses. Le son, il vient de l'intérieur du bâtiment. Ça, j'en suis quasiment sûr, par rapport à la sonorité, la résonance, tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'il vient de l'intérieur du bâtiment. En revanche, si c'était une voix, j'ai pas du tout d'analyse à faire dessus, parce que je comprends pas. Le seul truc, je pense, qu'on peut dire honnêtement, c'est que ça a une sonorité féminine, je pense, et que on dirait qu'il y a deux syllabes. Je sais pas ce que ça dit, je dis pas que c'est paranormal, mais en tout cas c'est présent et je voulais le relever. Je vous ai déjà dit bonsoir, mais je vais le refaire par politesse et par respect. Donc je vous dis bonsoir. Je pense que si vous êtes présent, hop, je mets ma lampe de poche dans ma poche. Hop. Si vous êtes présent, vous êtes sûrement la personne ou l'entité ou l'esprit, je ne sais pas trop comment je peux vous appeler, qui était peut-être là la nuit précédente, enfin la nuit où je suis venu, hein, pas hier, j'étais pas là, mais la nuit précédente où j'étais là, c'était peut-être vous.
te débrouilles pas. Si c'est vous qui était là les fois où je suis venu, j'aimerais beaucoup essayer d'aller un petit peu plus loin dans la communication. J'aimerais bien essayer d'établir un réel contact avec vous. Mais quelque chose de... quelque chose de détendu, voilà, pas quelque chose d'agressif, c'est pas le but. Parce que la première fois, je sais pas si c'est à vous que j'ai eu affaire, mais si c'était vous, c'est pas du tout ce que je suis venu chercher. Et si vous refaites ça, je partirai tout de suite. Et si vous voulez juste que je m'en aille, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez me le faire comprendre autrement. Si vous voulez que je m'en aille là tout de suite, que vous voulez pas que je reste, hein, est-ce que vous pouvez fermer une porte là devant moi, une des deux portes ? Vous pouvez me le faire comprendre autrement. Par exemple, si vous voulez que je m'en aille là tout de suite, que vous voulez pas que je reste, hein, est-ce que vous pouvez fermer une porte là devant moi, une des deux portes ? Ça, par exemple, c'est quelque chose qui va rester terrifiant à chaque fois que je l'écouterai, que j'entendrai un truc comme ça. Je suis seul, a priori, je suis seul dans le bâtiment. Je dis a priori parce que comme les portes ne sont pas fermées à clé, en bas, il y a toujours une éventualité que quelqu'un puisse rentrer. Bon, je pars du principe qu'il n'y a personne, parce que le bâtiment est quand même relativement éloigné. Enfin, c'est pas un bâtiment que tout le monde visite, enfin, c'est vraiment un bâtiment, on va dire, qui est... assez sécure à ce niveau-là. Voilà, ce qui fait peur quand on réécoute ça, c'est... Sur le moment, moi, je l'entends pas. En fait, ma caméra principale ne le capte pas. J'ai pas le casque sur les oreilles, je le mets plus. Donc, du coup, j'ai pas la sensibilité que j'avais au niveau audio que j'avais avant. Mais ça n'empêche pas que ma caméra, elle, qui est censée quand même avoir un micro de grande qualité, le capte pas du tout. Pas du tout. On voit que la caméra qui est posée à côté de moi, là où je me trouve, qui elle a une sensibilité. Alors voilà, le son est beaucoup moins bon sur cette caméra parce qu'il capte beaucoup plus de choses, mais lui, il le capte. Et on entend clairement des bruits de pas. Et ces bruits de pas, ils ne peuvent pas venir d'ailleurs que de l'intérieur de ce bâtiment. Alors, vu tout ce qui s'est passé dans ce bâtiment, vu tout ce que j'ai vécu, et étant donné que je pense que personne n'a pu entrer à ce moment-là, si c'est paranormal, ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur. Je sais pas ce que c'est, je veux pas dire que je suis sûr que c'est quelque chose de paranormal. En tout cas, ces bruits de pas sont bien enregistrés, ils sont bien sourds. On entend bien quelque chose qui se déplace, qui va quelque part. Je l'entends pas, mais en tout cas c'est là.
Vous en fermez une et je m'en vais. Alors tu vois, le stress a tellement... tellement je suis pris par ce lieu. Par exemple, vous, à la caméra, vous y voyez bien, à l'écran. Mais moi, quand je regarde devant, c'est noir, c'est tout noir. J'aperçois à peine les formes, par exemple, les portes là devant moi, je les aperçois tout juste. Et comme j'ai les lumières qui me reflètent un petit peu dans les yeux, ça crée un espèce d'effet d'optique. Et j'avais l'impression qu'elle était en train de se fermer tout doucement. Alors je peux te promettre que c'est un effet qui te glace le sang, qui te dresse tous les poils sur le corps et qui te met pas à l'aise. Bon, du coup, alors que je vous explique un petit peu, que parce que peut-être vous comprenez pas tout ça. Des fois vous allez peut-être avoir l'impression que je parle tout seul, mais c'est pas le cas. Quand je m'adresse à vous, c'est à vous que je parle. Et c'est à vous que je demande des choses. Donc j'attends quelque chose de votre part. Il y a des moments où je parle, vous avez l'impression que je parle tout seul, mais je suis en train de filmer. Et je parle aux personnes qui me regardent, qui vont voir ces images plus tard. C'est une sorte de reportage. J'essaie de trouver des réponses à nos questions sur le paranormal. Nous, on appelle ça le paranormal. Et plus précisément, sur vous. Sur qui vous êtes. Sur ce que vous voulez. Sur ce que vous êtes capable de faire, de nous dire, de nous montrer. Il n'y a rien de malsain ou de méchant dans ma démarche. Et tout ça, ça n'ira pas contre vous, et on ne s'en servira pas contre vous, c'est pour savoir et comprendre. Il y a quelqu'un ? Alors, ça s'est relativement calmé depuis que je suis arrivé. Plutôt, on va dire depuis le térémin. J'ai eu quelques trucs bizarres tout à l'heure, comme des... Il y avait des craquements alors, au niveau de l'escalier. L'escalier en bois là, qui descend à l'étage inférieur. Il y avait des craquements, un petit peu comme s'il y avait quelqu'un qui se déplaçait dans l'escalier, mais ça je l'ai pas filmé puisque j'avais rien d'allumé. C'est bizarre.
Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît. Après dehors, il n'y a personne. Après, le parc est très grand. Mais c'est fermé. Donc, à moins qu'il y ait des gens qui connaissent le lieu et qui viennent pour se faire une petite part, mais je pense qu'ils auraient déjà entendu. Donc, je pense que vous le savez maintenant. Je m'appelle Cédric. Vous pouvez aussi m'appeler Oz, c'est mon surnom. Je suis venu pour vous, pour discuter avec vous. J'ai mis des appareils un petit peu partout, comme ce qui se trouve là par exemple devant moi. Je suis en train de le filmer. Vous pouvez l'utiliser, tout ça. La petite boule avec des choses un petit peu bizarres dedans qui bougent, c'est de l'électricité. Si vous posez votre main dessus, je vais le voir. Est-ce que vous voulez bien faire ça? Maintenant, là, devant moi. Au moins pour me montrer que vous êtes là. Ça serait génial, ça serait... S'il vous plaît. Après, si vous préférez, je peux partir et vous le faites quand je suis un petit peu plus loin, si vous préférez faire ça. Il y a une feuille qui est en suspens sur une pointe là, à côté. Ça, par exemple, vous pouvez le faire tourner. Ça pourrait me montrer que vous êtes là et que vous essayez de communiquer avec moi. C'est calme. Comme je disais tout à l'heure, là, depuis que le thérémine s'est déclenché tout seul et s'est éteint tout seul, ça s'est largement calmé. Alors il y a eu quelques petits bruits, mais je ne sais pas si c'est pas moi qui les imagine par rapport à la source là à côté. Est-ce que c'est votre maison ici? Est-ce que vous vivez ici? Vous voulez bien me répondre? S'il vous plaît?
Il règne un calme absolument, j'irais presque même effrayant en fait. C'est pesant, c'est très pesant. Je sais pas du tout quoi penser de ce calme. Ça change de la dernière fois. Est-ce que c'est vous? Si c'est vous, est-ce que vous pourriez l'arrêter? S'il vous plaît. S'il vous plaît, pourriez-vous l'arrêter? Ça a l'air de monter au crescendo en fait. S'il ne s'arrête pas, pour moi, ça sera mieux. On va mettre ça sur le... Il y a quelqu'un? C'est quoi ça? Tiens, j'ai cru entendre des bruits là-bas aussi. Je sais pas où aller, si je dois aller là-bas ou... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous m'entendez?
que c'était fait, ouvert tout à l'heure. C'est peut-être ça du coup. Ouais, mais cette chambre, je peux pas y rentrer parce qu'il n'y a pas la poignée de l'autre côté. Je vais me retrouver bloqué si je rentre là-dedans. Je vais laisser grande ouverte. Hein. Je pense que c'est ça du coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que c'est vous qui communiquez, avec moi ? Alors, ça, même si c'est du thérémine, que c'est audible, qu'on entend tout, ça en reste pas moins compliqué à analyser et surtout à interpréter. Parce que techniquement, on pourrait se diriger vers un bug, on pourrait se diriger vers quelque chose de paranormal. On n'en sait rien en fait, parce que même si le thérémine se déclenche et s'éteint, imaginons même sur demande, j'avoue, ça serait étonnant et on serait quand même un petit peu plus en droit de penser paranormal, mais on n'a rien en fait de visuel à part un son du thérémine, donc à interpréter c'est compliqué. En revanche, ce qu'on peut faire là, c'est analyser ce qui se passe de manière générale, parce que là du coup, moi je m'en vais, mon petit tour pour vérifier normalement quoi. Et alors, si je me trompe pas, c'est quand je fais demi-tour, je reviens, là le thérémine il se déclenche. Bon là pour le coup il se coupe pas, j'ai pas attendu plus peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu plus, mais j'ai pas attendu beaucoup et je l'ai coupé. Et juste quand je le coupe, il y a ce bruit de porte qui claque. Alors ce son de porte qui claque, lui par contre on peut l'analyser un peu mieux que le thérémine, même si du coup on n'a pas de visuel non plus. Moi, sur le moment, ce que j'entends, c'est une porte qui claque, tout simplement. Donc, combiné au thérémine, c'est vrai que ça peut... on peut rentrer dans des interprétations paranormales, forcément, mais on ne sait pas, en fait, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on entend sur la caméra qui est juste à côté de la porte, il y a un boom, en fait, juste avant. Comme s'il y avait un truc qui tapait avant que la porte claque. Donc... c'est toujours pareil, c'est difficile à interpréter, savoir qu'est-ce qui a fait ça, pourquoi, mais en tout cas, on n'a pas que le bruit de la porte. On sent bien qu'il y a quelque chose qui tape ou qui va attraper la porte pour la claquer. Alors, ça peut être le vent, la fenêtre elle est ouverte derrière, je ne peux pas la fermer. Ça peut être le vent, ça peut très clairement être le vent. Donc, je ne vais pas donner d'avis précis sur ça, puisque de toute façon, j'en ai pas réellement. Ça peut être naturel, mais ça peut aussi être paranormal par rapport à tout ce qui s'est déjà passé dans ce bâtiment. On est en droit clairement de se demander en fait.
Le bruit semblait pas si loin que ça, donc je pense. Je pense que c'est cette porte. Et après, je pense plutôt à un coup de vent. Un petit courant d'air qui l'a fait claquer. Si c'est vous qui avez fait claquer cette porte, vous pouvez le refaire. Ou une autre porte. Pour me dire que c'était vous. C'est possible ? Elle est très légère. Quand tu la pousses, elle s'ouvre toute seule de coup. Donc il suffit qu'il y ait un petit courant d'air. Et ça suffit à la fermer. Je pense qu'il y a rien de paranormal dans ce cas-là. Après, je te cache pas que j'ai quand même la trouille qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Parce que le problème, c'est que le bâtiment, là, il est un petit peu ouvert de partout. C'est pas qu'il est ouvert de partout, c'est que les portes s'ouvrent, quoi. Bon. J'espère juste que... Ouais, on sent un petit courant d'air. Non, je vais la fermer en fait. Parce qu'il y a les ghost leaf. Hop. Oh, regarde. Je dois voir la facecam. Tu vois. Elle s'ouvre facilement. Quoi. Je peux pas bien la fermer parce que la poignée se barre. Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes là, ce soir, dans le bâtiment, avec moi ? Et est-ce que vous voulez bien communiquer ? Ou vous montrer ? Est-ce que vous pouvez vous montrer ? C'était 9-7. Ouais, il me semble qu'on était à 9-7. J'aimerais beaucoup connaître votre nom, enfin, en tout cas savoir qui était cette personne. Enfin, cette personne. Déjà, j'aimerais savoir si c'était vous qui étiez là, pardon, la dernière fois que je suis venu. Si je dois tout ce qui s'est passé à vous, ou si je le dois à quelqu'un d'autre, ou autre chose. Il y a une odeur de parfum là-bas, dans la chambre, la fameuse chambre. C'est une horreur, ça sent jusqu'ici. Vous êtes par ici, au niveau de ce couloir, de ces pièces. Putain, j'ai un frisson ici, c'est un truc de fou. Pas un frisson de froid, mais comme une sensation, tu sais, de... Je devrais peut-être pas être là, en fait.
Vous êtes ici ? S'il vous plaît. Vous pouvez me répondre ? Je trouve que c'est malsain, ici, de ce côté-là. Il y a un truc qui me... Un truc qui me refroidit, mais... Je sais pas ce que c'est, je comprends pas. C'est pas rassurant. Est-ce qu'il y a une chambre, là, qui vous appartient, ou... où vous avez peut-être vécu ou séjourné? La chambre en face de moi, là, peut-être? Putain, mais c'est calme, ce truc-là. Vous êtes ici? Est-ce que cette pièce, cette chambre vous appartient ? Bon, je désespère pas, hein. Je trouve que c'est très calme, ou que si vous êtes là, vous êtes très calme. Je tiens à vous dire que si la dernière fois j'ai pu vous paraître effrayé et que du coup vous vous êtes peut-être imaginé que je ne reviendrai plus à cause de ça, c'est pas le cas, regardez, je suis là. Ça ne m'a pas empêché de revenir, mais je préfère honnêtement que ça se passe comme la dernière fois, plutôt que ça reste calme là, comme ça, parce que là du coup ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Donc, je veux bien vous accorder du temps, il n'y a pas de problème, mais ce serait bien que vous fassiez un effort, communiquer avec moi, même si ça doit être comme la dernière fois. Pas la première nuit, hein. La deuxième. On va prendre le temps. On va essayer de se mettre un petit peu dedans. Parce que là, je ne vous cache pas que, à part le stress et cette sensation, pardon, de vide malsain, en fait, je ressens pas comment dire, je ressens rien d'habitude, mais par exemple la nuit précédente, l'atmosphère était différente, vraiment, je le vivais vraiment autrement. Là je stresse, je suis pas bien, mais c'est oppressant, c'est pesant, et c'est tellement calme. Il y a eu le thérémine et sûrement cette porte. Mais je pense que... Alors autant la première fois, quand j'étais pas encore préparé, je saurais pas l'expliquer. Mais la deuxième fois, pour moi, c'est simplement un bug. Donc là, je l'ai reparamétré plus court pour éviter ça.
Et la porte, si c'est la porte, pour moi c'est un coup de vent. De toute façon, je vois pas ce qui aurait pu claquer d'autre parce que ça avait l'air d'être assez proche. Et des portes ici, la première là, de toute façon, il n'y en a plus. Et après, c'est au fond. Et je l'aurais pas entendu aussi fort. Donc, dans l'immédiat, c'est très très calme. Je pense que je vais faire une petite pause là de 5 minutes, hein, rapide. Et après, on va aller faire un tour en bas. Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour en bas. On va essayer de se mettre dedans, doucement, tranquillement. Ça a l'air d'être... je sais pas, c'est peut-être pas le soir, ça arrive. On va voir. Allez. Allez, je pose ça là. Ah, je sais pas si vous êtes là. Ça, je filme parce que j'ai pas le choix. Je vais pas tout arrêter, mais je vous le dis. J'ai besoin que vous manifestiez, que vous fassiez quelque chose de concret, de clair, de visible, d'audible. Parce que là, s'il se passe rien comme ça, je vais pas rester. Bon, là, je viens de commencer, hein, je suis d'accord. Mais si ça reste calme comme ça, je vais pas rester juste pour rien, quoi. Donc je vous accorde le temps qu'il vous faut, avec tout le respect que je vous dois. Et je reste là le temps que... Oh, je viens de sentir une espèce de courant frais. Je vais vous dire honnêtement, si vous voulez vous amuser à me faire peur, n'hésitez pas. Je préfère ça plutôt que de ne rien avoir du tout. On va essayer juste d'écouter. Je vais évoluer pour essayer de voir si... si je peux pas avoir quelque chose en bas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ? S'il vous plaît. Il y a quelqu'un ? Bon, les sous-sols, c'est jamais vraiment quelque chose de très accueillant. C'était un reflet. Est-ce que vous êtes par ici, s'il vous plaît ? Je ne vous veux aucun mal, absolument aucun. Je suis venu en ami. Est-ce que vous pourriez au moins
faire l'effort d'essayer de... Bah de communiquer avec moi, simplement. Une marche là qui tient plus beaucoup. Est-ce que c'est vous? Vous pouvez le faire encore une fois, s'il vous plaît? Y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Okay.
Je veux pas jouer le parano, mais... Il y a quelqu'un ? Ça commence. Putain, il me reste 10 minutes sur la caméra. Alors, si c'est vous, je parle à une possible entité. Bon, alors, si vous êtes là et que vous avez décidé de vous manifester, c'est bien, merci. J'ai cru vous entendre. Alors c'est peut-être le bâtiment qui craquait, hein, le bruit qu'on a entendu au fond. Mais bon, ça se passe juste après le thérémine, donc ça n'en reste pas moins... troublant. Mais je m'interroge. Si c'est vous, comme je vous ai dit, merci. C'est ce que je cherche, c'est le but. Est-ce que vous essayez du coup de me dire quelque chose, de me faire remonter, puisque j'étais en bas? Vous pourriez le déclencher là maintenant, s'il vous plaît? Devant moi. S'il vous plaît.
Ok. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose ? Putain, je suis en stress de ouf. Putain, c'est quoi ça ? Putain, la pire. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom ? S'il vous plaît. Putain, je suis en panique de ouf. Alors, c'est exactement ce que je recherche. Mais si vous... Putain, si vous pouvez... Est-ce que vous pouvez essayer de communiquer avec moi d'une manière différente, par exemple putain, je sais même pas ce que... Vous pouvez déclencher le pod qui est à côté de moi, là, l'appareil qui est... J'essaie de me reprendre en même temps, en fait. L'appareil qui est à côté de moi, le pod, vous pouvez le déclencher. Juste pour me confirmer que ce que j'ai entendu là-bas, c'est vous. Le truc qui a frotté, je suis sûr, c'est la porte. Il y a la porte là-bas qui est sur le tapis là. Qui est accrochée au tapis. Je suis sûr que c'est ça. Est-ce que vous pouvez déclencher le pod comme ça au moins? On peut commencer déjà à essayer d'établir une communication. S'il vous plaît. Ça va faire comme la dernière fois. Il n'y a rien de direct. C'est ça qui est dommage. Je trouve ça dommage, c'est que le thérémine qui se déclenche, le bruit qu'il y a là-bas, c'est bien, mais c'est pas clair, en fait. Enfin, c'est pas clair. Ça permet pas de communiquer. Ça me montre qu'il se passe quelque chose. Mais je sais pas si c'est vous ou pas. Je dois changer la batterie, je suis désolé. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Je vais la changer et je reviens tout de suite. Bon, clairement, le thérémine, c'est et ça restera, je pense, l'outil le plus terrifiant sur place, enfin, en tout cas sur le lieu de tournage. Et encore, je dis sur place, même pendant le montage, ça reste quand même quelque chose de flippant, de troublant, parce que si vous avez bien regardé, quand je monte, après avoir entendu le thérémine alors sonner, limite même quand je demandais qu'on le fasse sonner, je monte pour aller vérifier au niveau du couloir derrière le thérémine pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Et si vous regardez bien, il y a un moment, je rentre dans une chambre et dans une des salles de bain, il y a une glace et on me voit dedans, en fait, j'apparais dedans. Et quand tu analyses et que tu es déjà dans le stress parce que justement tu veux vérifier tout ça, putain, quand tu revois cette image avec toi qui apparaît dans la glace, tu sais qu'il n'y a personne puisque tu as déjà vérifié, mais ne serait-ce que de le voir comme ça alors que sur le moment j'ai pas fait gaffe, c'est extrêmement flippant. Tu te dis, ah, putain, il y avait quelque chose que j'avais pas vu, mais en fait c'est juste toi. Bon, ça c'est normal, c'est le stress. C'était pour vous faire
comprendre un petit peu la comparaison entre le moment sur place qui est terrifiant, vraiment, hein, c'est terrifiant, et le moment après, pendant l'analyse chez toi, quand tu revois tout ça, ça reste quand même terrifiant. Bon, enfin, pour revenir sur le Térémine, je sais toujours pas quoi en penser. Je l'ai entendu bugger, je l'ai entendu sonner de manière bizarre, comme là, par exemple. Je sais pas. En tout cas, le son qu'il fait, pour moi, ça ressemble pas du tout à un bug, clairement. Pour moi, un bug avec cet appareil, c'est justement ce qui s'est passé tout à l'heure. Je pense que le fait de le voir monter, ou alors se stopper sur une note et puis en bouger, je pense que c'est un bug. Et c'est, je pense que c'est la meilleure interprétation qu'on peut en faire. En revanche, quand il sonne comme ça, là, tu peux être que troublé, parce que quand tu connais cet appareil, que tu sais que c'est un instrument de musique, même si celui-ci c'est vraiment un gadget, c'est pas vraiment le vrai Térémine, tu te dis quand même, enfin, comment il sonne, c'est pas normal. Un bug comme ça, et surtout à plusieurs reprises, je crois qu'il a sonné au moins 5 fois d'affilée de cette manière-là. Je sais pas, moi j'arrive pas à trouver ça normal, et s'il n'y a pas une explication paranormale derrière ça, j'ai vraiment aucune idée de comment vous expliquer ça de manière tout à fait rationnelle, avec une preuve, quelque chose de concret, quoi. Je sais pas, honnêtement je sais pas du tout. Ça, je pense que c'est un des trucs qui me trouble le plus, parce que là c'est du physique pour le déclencher, il faut que ça soit quelque chose de physique. Suite à ça, après ces déclenchements, il y a eu ce bruit aussi, encore à droite, cette porte. Alors sur l'image, on a l'impression que je regarde sur ma gauche, mais ça c'est le montage qui fait ça. Je regarde pas du tout à gauche en fait, je regarde vraiment sur la droite. Les deux incrustations en fait, des deux plans, donnent l'impression que je regarde sur ma gauche. Et encore une fois, cette porte en fait, dans ce bâtiment, alors autant le Térémine ne s'était quasiment pas déclenché, ou pas du tout, je sais plus, je me rappelle plus, mais en tout cas sur les trois nuits, il n'y a que là où c'est aussi important, mais par contre, ces bruits de porte, il y en a tout le temps. Donc, pour cette première partie de cet épisode, on va en rester là, mais je sais pas du tout, vraiment, je sais absolument pas quoi vous dire sur ce lieu, si ce n'est qu'il est... Il est incroyable. Pour moi, c'est un lieu qui me rappelle l'abbaye, qui me rappelle un petit peu le château de l'angoisse. C'est des lieux comme ça qui sont vraiment prenants, et je regrette vraiment de plus pouvoir y retourner, parce que ce lieu, je pense qu'il a énormément à nous dire, à nous raconter, et si on arrivait à trouver la bonne manière, je pense, de communiquer vraiment dans un esprit, vraiment contact avec un esprit, on va appeler ça comme ça, je pense qu'on pourrait arriver à avoir des réponses, vraiment. Parce que pour qu'il se passe autant de choses, c'est que forcément il se passe quelque chose dans ce bâtiment.